Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez par le biais de l'Internet. Vous avez accepté que cette célébration regroupe les intentions de premiers anniversaires de décès survenus il y a un an, en 2020. Je mentionne les noms de ces personnes desquelles nous voulons faire mémoire spécialement en cette célébration et pour lesquelles nous unissons notre prière. Colette Auger, Thérèse Fortier, Michel Gosselin, Pierre Villeneuve, Monique Jobin, Jean-Paul Bergeron, Laurence Pigeon, Christian Bédard, Ghislaine Marcotte, Antoine Bourgault, Laval Grondine, Pauline Lachance, Paul-Arthur Allaire, Yvette Donaldson et Ghislaine Dion. Frères et sœurs, nous le savons, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous voulons croire en une bonne nouvelle. Quelqu'un nous sauve. Nous croyons que Dieu nous aime et que dans notre histoire encore si pleine de mal, il y a un dynamisme qui est déjà en marche. Un dynamisme, celui du royaume de Dieu qui fera notre joie. Alors laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur qui nous appelle à le suivre, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à la conversion. Alors, tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous crois capables de répondre à tes appels. Quand nous doutons, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume. Quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Et maintenant, faisons monter vers Dieu le chant de notre louange. Thank you.
semaine de prière pour l'unité des chrétiens que notre prière unanime monte avec confiance vers notre Dieu. Montre-nous, Seigneur, Dieu notre Père, à quel point tu nous aimes. Et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde attiré par sa lumière croit en Jésus ton envoyé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous entendons le message de Jonas, un appel à la conversion destinée pourtant à des païens. Et ça a eu tout un effet. L'appel de Jésus, qu'on entendra par la suite, aura-t-il autant d'effet sur nous? Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sec. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'est-ce qui est important, sinon notre relation à Dieu? Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas,
ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Que la parole pénètre notre esprit, qu'elle demeure sur nos lèvres et qu'elle s'enracine dans notre cœur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela, alors laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu, Seigneur Jésus. Il y a des moments dans la vie où nous sentons qu'il faut faire vite et que demain, ça sera trop tard. Comme si la chance était à prendre maintenant ou jamais. Si j'accepte pas cet emploi qui m'est offert, ou encore si j'achète pas aujourd'hui cet objet que je désire et qui est en réduction en plus, demain, il sera trop tard. Dans bien des situations de la vie, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut faire vite. Nous savons, par exemple, le drame que vivent les malades quand ils doivent attendre de longues heures et parfois même des semaines, avant de recevoir les soins dont ils ont besoin. Des fois, ça presse. En écoutant les textes de la parole de Dieu de ce dimanche, n'avons-nous pas cette impression que tout presse? En effet, dans la première lecture, Jonas proclame « Encore seulement 40 jours ». Et Ninive sera détruite. Et aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Dans l'Évangile, Jésus appelle des pêcheurs. Aussitôt, dit l'évangéliste, laissant là leur filet, ils le suivirent. Et saint Paul, qui affirme, le temps est limité. Pourquoi donc cette urgence, cet empressement à prendre des décisions pourtant importantes et qui risquent d'engager le reste de notre vie? Qu'est-ce donc qui presse autant? Saint Marc,
présente au tout début de son évangile en quelques mots comme un résumé de l'enseignement de Jésus. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Cela était le cœur du message de Jésus. Et cela faisait choc. Même si les Juifs attendaient la venue du règne de Dieu, ils furent comme étonnés d'apprendre de la part de Jésus que ce grand moment était finalement arrivé. C'était vraiment une bonne nouvelle, une nouvelle qui bousculait et ne laissait personne indifférent. Nous le savons, le royaume de Dieu, ce n'est pas un territoire, un pays. Ce n'est pas non plus un autre monde qui nous ferait oublier les tâches de ce monde présent. Non, ce royaume de Dieu, il est là, dans notre monde, là où Dieu est présent. Et quand Dieu est là, tout change. Pardonnez-moi. C'est pourquoi le moment présent est si important. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre. L'annonce de la venue du règne de Dieu est suivie immédiatement de l'appel à nous convertir et à croire en cette bonne nouvelle. C'est fini d'attendre. En Jésus, Dieu est entré pour de bon dans notre histoire. Et pour rétablir le règne de Dieu, son Père, Jésus, nous le voyons, il ne veut pas être tout seul. Il a besoin de collaborateurs avec lui. Et pour ce faire, il ne choisit pas des gens qui œuvraient au temple de Jérusalem ou encore des savants, docteurs de la loi. Non, il choisit des gens qui exercent le métier bien ordinaire de la pêche sur le lac de Galilée. C'est eux que Jésus a appelés les premiers à le suivre, sans autres apprentissages que d'être avec lui. Il va lui confier une mission, une autre pêche. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Ils iront à la recherche de sujets pour le royaume de Dieu. Ils auront pour mission de libérer les êtres humains de leurs entraves, de leur permettre de vivre au grand air. Parce que sortir quelqu'un qui est en train de se noyer, c'est lui permettre de vivre sous le regard de Dieu. Jésus appelle et ses hommes se sont laissés séduire. Ils ont réorienté leur vie. C'est ça la conversion. Ils ont tout laissé devant l'urgence et la fascination de la bonne nouvelle. Est-ce que ça voulait dire qu'ils n'aimaient pas leur famille ou leur métier? Rien ne le laisse se présager. Mais c'est que le temps était venu de ne pas s'accrocher à ce qui passe. Le règne de Dieu est tout proche, et tant d'hommes et de femmes attendent une libération. Ces pêcheurs du lac ont été saisis, et pour eux, il n'y avait plus de temps à perdre. Et vous comprenez que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est encore vrai pour aujourd'hui. Quand l'Évangile est proclamé, c'est le Christ qui nous parle. Et en ce dimanche, il nous dit que l'heure est venue où notre avenir se joue. Nous devons nous décider, ne pas attendre à demain. Sommes-nous prêts à nous détacher de ce qui nous empêche de suivre Jésus? C'est ce qu'on a chanté au début, suivre Jésus, être ses témoins. Et cela ne veut aucunement dire que nous aurions à délaisser nos responsabilités et nos engagements quotidiens. En fait, il s'agit plutôt de prendre le risque de le faire, mais en aimant jusqu'au bout. Notre participation à l'Eucharistie atteste que nous acceptons
d'entendre la parole qui nous invite sans cesse à nous tourner, à nous convertir, à changer de vie, à suivre le Christ sur le chemin de l'amour vrai. Dans le pain et le vin, Dieu notre Père, par la puissance de l'Esprit Saint, réalise au milieu de nous la présence de son Fils Jésus, venu établir le règne de Dieu au milieu du monde. En partageant ce pain et ce vin, le règne de Dieu est à l'œuvre. Il nous transforme. Il nous pousse à aller vers les autres. Et cela sans tarder, pour leur dire la bonne nouvelle qui nous fait vivre. Amen. Et nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons notre prière monter vers lui. Nous répondrons: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les églises dans leurs différentes dénominations, afin qu'elles progressent toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent et se ressourcent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute, pour répondre à l'appel du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous sommes rassemblés par le moyen de l'Internet et nous voulons faire mémoire de personnes décédées il y a un an. Confions-les à notre Père du ciel, le Dieu de la paix et de la vie éternelle. Et nous nommerons chacune de ces personnes décédées il y a un an, et on le fait dans la prière en se rappelant le baptême qui a allumé en chacune, en chacun, la flamme de la vie éternelle. Alors nous prions spécialement pour Colette Auger, Thérèse Fortier, Michel Gosselin, Pierre Villeneuve, Monique Jobin, Jean-Paul Bergeron, Laurence Pigeon, Christian Bédard, Ghislaine Marcotte, Antoine Bourgault,
Laval Grondine, Pauline Lachance, Paul-Arthur Allaire, Yvette Donaldson et enfin Ghislaine Dion. Engage à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous poursuivons la célébration. Je prépare la table pour le pain et la coupe de l'Eucharistie. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus,
le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes filles et de tes fils. Il remplit l'Église tout entière. Il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Ressuscité.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Père, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Charles Borromée, Sainte Cécile, Saint Rodrigue, Saint Jérôme et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, Marc et Martin qui collaborent avec lui, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et spécialement toutes celles dont nous faisons mémoire aujourd'hui à l'occasion du premier anniversaire de leur décès, nous t'en prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Et tous partenaires dans la mission. Alors, animés par le même esprit, adressons au Père la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et même si nous ne sommes pas présents les uns aux autres, nous le sommes par Internet, alors que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit.
les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui donne la vie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous entièrement. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Notre Père, nous te rendons grâce pour la bonne nouvelle annoncée par Jésus. Nous voulons le croire, ton règne s'est approché de nous. Loué sois-tu pour les premiers disciples de Jésus, Simon et son frère André, Jacques et son frère Jean. Tu leur donnes de quitter leurs filets et de partir vers des rivages inconnus, vers une autre pêche. Loué sois-tu pour Jésus le vivant qui continue de marcher sur nos chemins. Voilà que son appel nous rejoint aujourd'hui dans un monde où nous sommes confrontés à tant d'urgences et de nécessités. Donne-nous l'audace des premiers disciples. Donne-nous la liberté de partir sans tarder à la suite de Jésus, qui règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous rejoigne à travers le biais de l'Internet. Que cette bénédiction rejoigne toutes les personnes que vous aimez, que vous portez dans votre cœur.
Oui, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.